Oh, praise the Lord. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire comme moi, gloire à Dieu. Someone says, we glory to God. Quelqu'un peut dire à moi, merci Seigneur. Someone said, thank you, Lord. Écoutez, dans cette parole, il y a des vitamines. The vitamins. Il y a des vitamines. The vitamins. Dans ce message, il y a la vie de prière. The prayer life, c'est vrai. Dans ce message, il y a l'autorité. The authority. Dans ce message, il y a la victoire. The victory. Et dans ce message, il y a l'enlèvement. The rapture. Si tu restes dans ce message, you stay this message, comme Josué, and Joshua, ne t'en détourne ni à gauche, don't turn left, ni à droite. Not right. Reste dans ce que Branham a dit. Le jour d'un s'ouvrira. The journey will open up. Je crois ça, je crois. Reste dans ce que Branham a dit. Stay in what Branham said. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Left, not right. Il y aura un char de feu qui viendra. There'll be a giant of fire coming. Ce char t'enlèvera. That child will take you out. Tu monteras dans la gloire. Go up in the glory. Après la souffrance. After the suffering. Après les épreuves. After the trial. Après les difficultés. After the difficulties. Tu iras voir ton Créateur. We'll see your Creator. Celui dont tu as tant aimé. The one that you love so much. Sans l'avoir vu. Without seeing it. Tu l'as tant chanté. You sang it. Sans l'avoir vu. Without seeing it. Et il y a une promesse de la victoire. The promise of the victory. Cette promesse est seulement dans le message. The promise is only in the message. I cherish this message. Oh, je cherche ce message. C'est un trésor. That's a treasure. Amen. C'est une bénédiction. That's a blessing. Ce message, c'est le Saint-Esprit. Esprit. Ce message est c'est Dieu. This message is God. C'est Jésus-Christ. Christ, mangez ce message. Avant de dormir, mangez-le. Mangez-le quand tu es au travail. Mangez-le dans la voiture. Mangez-le. Même si c'est amer, mangez-le. Ça deviendra bon. Ce qu'il a. Delicious. Dans le ventre, in the ça va t'aider pour être puissant, help you to be powerful, pour être fort. To be strong. Tu cherches la puissance. Looking for the power. Il n'y a aucune puissance qui dépasse le Saint-Esprit. No power above the Holy Spirit. Tous les magiciens, all the magicians, s'accroupissent devant le message. Parce que le message c'est Dieu. The message is God. Citez-moi un sorcier du monde qui peut tenir face contre le message. That can stand in front of the message. Il tombera par terre. You're gonna fall on the ground. Ce message qui est apporté sur les ailes de cet ange, c'est un message puissant, un message fort. Il y a les vitamines à l'intérieur qui fait grossir l'épouse. Même si le monde ne l'aime pas, même si elle est dans les épreuves, même si elle est dans les difficultés, mais quand elle entend la voix du messager, quand elle écoute le message de l'air, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, elle a des vitamines pour aller de gloire en gloire, de baptême en baptême, pour escalader l'escalier. There is a ladder. Il y a un escalier pour toi, épouse de Dieu. You have to climb to that ladder. Vous devez monter sur cette échelle. Et n'aie pas peur de tomber. Don't be afraid to fall. Même si tu tombes, à côté de toi, il y a des anges qui ont été engagés pour te soulever. Oui, tu ne resteras pas là. Non, tu as été appelé pour aller de baptême en baptême, d'expérience à l'expérience. Tu as été appelé pour une œuvre sainte. Tu ne resteras pas là. Il y a un ange qui est réservé pour toi, pour te soutenir, pour marcher avec toi. Prends courage. Le monde ne t'aimera pas. Même les gens qui sont dans le monde, ils peuvent être dans l'église tout en étant du monde. Mais le véritable enfant de Dieu, ils vont t'aimer. Parce que l'amour n'est pas dans le monde, mais c'est dans les cœurs des croyants. L'amour n'est pas dans les cœurs des semi-croyants. L'amour n'est pas dans les cœurs des incroyants. L'amour est dans les cœurs des croyants. Quelqu'un dit amen à ça. Tiens bon dans ce message. Peut-être que demain ne nous appartiendra pas. Allez manger la parole. C'est cette parole qui va nous saouler, qui va nous sortir de la tombe. C'est le message qui nous fera sortir. J'ai lu quelque part, frère, madame a dit, quand tu as la parole en toi, quand tu vas être même dans la tombe, la parole te sortira. Sans la parole, tu ne sortiras pas. L'épouse sera enlevée. Oui, mais qu'est-ce qui sera réellement enlevé? C'est la parole. La parole. C'est toujours la parole. Qu'est-ce qui dit amen à la parole? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de prier? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de mêler aux autres? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de laisser le monde? C'est la parole. Qu'est-ce qui te donne l'envie de rentrer chez toi? C'est la parole. C'est la profondeur qui appelle à la profondeur. Il doit y avoir une profondeur qui doit répondre à la profondeur qui appelle. Tu es un enfant de Dieu. Que rien ne te décourage. Le découragement n'est pas notre partage. Ne signez pas cela. Prenez courage.
Ne signez pas pour le paquet des serpents. Mais signez pour la victoire. Signez pour la joie. Signez pour le bonheur. Tout ne sera pas le même tous les jours. One day. I say one day. Ça va changer. Ça va changer. Tes souffrances se changeront. Un jour. Tes pleurs vont changer. Tes lamentations changeront. Un jour. Ta maladie terminera. One day. I say one day. One day. Un jour. Le diable peut avoir 99 jours. Il n'aura jamais 100 jours. Il aura toujours 99 jours. Pour te tourmenter. Pour faire de toi tout ce qu'il veut. Mais il viendra un jour. Où tout ce que Job avait perdu. Lui sera restauré. En tout prix. Il viendra un jour. Où tu diras que je sais. Que mon rédempteur. Et vivre. He's alive, yes. Il viendra un jour when is où le peine terminera. Oh, the pain will finish. Il y a un jour qui vient when is où la mort ne sera plus. Death won't be. Il vient un jour is où les pleurs ne seront plus. The won't be. Il vient un jour when is les souffrances ne seront plus. Won't be. Nous serons dans la félicité. We'll be the bliss. Nous serons transformés. Transform. Nous serons changés. We'll be changed. Nous serons dans la gloire. We'll be the glory. Nous ne pleurerons plus. We'll not cry. Hey, ma soeur Marie-Ruth, il vient un jour tu ne seras plus grosse. One day you won't be pregnant. Il vient un jour tu seras dans la félicité. One day you're gonna be the bliss. La souffrance ne sera plus là. Suffering won't be there. Nous serons dans une cité. We'll be in a city. Là où Jésus saigne. Where Jesus saw. Un frère Gilles, Brother Jude, il sera la lumière. He's gonna be the light. Il éclairera dans la cité. He's gonna light the sadness. Il n'y aura pas de pleurs. So won't be any cry. Il n'y aura pas de crainte. No fear. Il n'y aura pas de souffrance. No suffering. Fais tout. Anything. Pour ne pas manquer ces jours-là. Je sais que tu ne les manqueras pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Jésus ne permettra pas que tu manques ces jours-là. Ferme tes oreilles. Pour ne pas tout écouter du diable. Ferme tes yeux. Pour ne pas voir les négatifs. Amen. Surtout, 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 surtout. Ferme quoi? Ta bouche. Pour ne pas raconter n'importe quoi. Do not tell anything. Notre Dieu, il est trois fois saint. Our God is three times holy. S'il vient à toi, comes in. Il doit faire de toi la sainteté. Yes, to be of you, c'est toi qui es la main de Dieu. You are the nous le chantons, non? Ce que l'ingo tambola lelo katina mokini. Le lingo simba biloko mokilo yo. Yoko kyo simba te. He cannot touch. Ce qui peut bêler dans ma boucle là. Il est trois fois saint. Comment quelqu'un qui est trois fois saint peut tenir encore les mains qui touchent à la pornographie? Comment celui qui est trois fois saint peut utiliser la bouche qui critique? Comment celui qui est trois fois saint peut utiliser les yeux qui regardent aux choses sales? C'est impossible. Possible. Sanctifie tes lèvres. Sanctify your lips. Sanctifie tes mains. Sanctify your hands. Sanctifie ta vie. Sanctify your life. Sanctifie tes pensées. Sanctify your thoughts. Sanctifie ta bouche. Sanctify your mouth. Il est plus tard que vous le pensez. It's later than you think. Jésus t'appelle ce matin. Jesus called you this morning. Jésus a besoin de te changer. He doesn't need to change you. Jésus a besoin de toi. He doesn't need you. Tu n'as pas écouté cette parole en vain. Si Dieu a permis que tu l'écoutes, ça veut dire qu'il a besoin de te toucher. Je sais que ton cœur est touché. Je sais que tu as besoin de l'aide. L'autel est grandement ouvert pour toi. Viens à Dieu aujourd'hui. Alors que demain ne t'appartient pas. Venez à Jésus. Venez lui donner ton âme. Venez à Jésus. Viens lui faire encore des vœux. Venez à Jésus. Viens abandonner ta vie. Venez à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai joué à mes vœux que je t'avais fait. De t'aimer, de te servir. J'ai entendu des choses dont je ne devais pas. Je parlais des choses que je ne devais pas. Mais j'essaye des choses. Tu m'aimes encore. Je reviens à toi. Je viens à toi, Jésus. Prends le contrôle de mon être. Prends ma vie. Take my life. Levez-vous. Stand.